Mes chers amis, un grand bonjour à chacun de vous, bienvenue en Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. Nous sommes le dimanche 25 octobre 2020 et ici avec un peu de rapport de joie et d'allégresse comme je suis avec vous, mes chers amis, mes chers amis en Jésus-Christ, dans l'étude de la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre premier sujet du jour, c'est bien la huitième test de la bête. La huitième test de la bête, c'est donc notre sujet du jour. Déjà, mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La huitième bête, le titre, le enseignement de ce jour, de ce dimanche 25 octobre 2020. Déjà, mes chers amis, je souhaite à vous toutes et à vous tous une très bonne participation. Je suis sûr que Dieu va vous donner de l'intelligence nécessaire
pour comprendre ce fameux sujet, titré La huitième tête de la bête. Voilà l'enseignement de ce jour, la huitième tête de la bête. On peut se demander de quelle bête, étant donné que vous avez déjà pris pas mal de sujets avec moi, par exemple, les trois parties de Babylone, la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer. Donc, à partir de ces études-là, vous avez déjà une idée de ce qu'on appelle la bête, et principalement la huitième. Donc, aujourd'hui, c'est la huitième tête de la bête. C'est donc le sujet que nous allons traiter ensemble. Nous espérons déjà que Dieu vous accorde assez de grâce et de bénédiction pour comprendre de fond en comble le sujet de ce jour. Et non seulement vous allez comprendre ce sujet, de plus, vous allez partager cette connaissance à d'autres. Vous allez apprendre à d'autres amis, à d'autres bien-aimés frères. Et cet enseignement est vrai. Et la huitième tête de la tête. Voilà. Nous allons démarrer sérieusement la huitième tête de la bête. On va considérer pour nous démarrer le sujet ça, d'abord notre objectif pour le sujet ça, parce que généralement, choisir un objectif, non fixé sur le tableau, un objectif au sujet. Donc, disons, à la fin de l'enseignement, les saints ou les chrétiens ou les étudiants seront en mesure de comprendre que la huitième tête de la bête exercera son autorité à la fin des temps, pendant la période de la grande tribulation. Au terme de cet apprentissage, les apprenants seront capables d'exposer cette vérité à d'autres. Je reprends pour vous, mes chers amis, l'objectif de notre sujet. En disant que, à la fin de l'enseignement, à la fin de cette compétence, de la bête, les chrétiens, les saints ou les bien-aimés ou les étudiants seront en mesure de comprendre que la huitième tête de la bête exercera son autorité à la fin des temps, principalement pendant la période de la grande tribulation. Au terme de cet apprentissage, les apprenants seront capables d'exposer cette vérité. Alors, c'est ça notre fixé comme objectif. C'est que tout le monde qui a étudié enseignement, tout chrétien, tout bien-aimé, tout étudiant, il doit comprendre que huitième tête de la bête va exercer autorité à la fin des temps. Les notes à la fin des temps, principalement à la grande tribulation. Le fil d'apprendre compétence, ça, le fil d'apprentissage, ça, en tant qu'apprenant, en mesure, au même temps, pour partager connaissance ça à leur fille. C'est ça, nous visons, nous, comme objectif. C'est ça, fixer tête, nous, comme objectif. Et non sûr que objectif parlant ici, objectif parlant également, je dis, Amen, gloire. La dernière pour étudier la huitième de la bête, on va considérer Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, on va chercher ensemble avec nous. Apocalypse. Donc, dans l'Apocalypse chapitre 13, tout le monde, vous pouvez vivre ensemble avec nous. Apocalypse chapitre 13, on va commencer à partir du premier verset. Apocalypse, c'est le dernier livre dans le Nouveau Testament. Apocalypse chapitre 13, on va considérer, mes chers amis, dans un premier temps, les trois premiers versets. Dans un premier temps, on a considéré les trois premiers versets dans Apocalypse chapitre 13. Sinon, on a considéré les trois premiers versets, c'est-à-dire on a appliqué encore dans Apocalypse chapitre 13. Parce que nous dit dans un premier temps, on a considéré les trois premiers versets. Dans un deuxième temps, on va considérer versets 5, 7 et 8. Mais espérons que nous tous bien temps joignent texte ensemble avec moi. Nous tous, nous avons une Bible ensemble avec nous. Alors,
Moi, je suis sûr que nous n'avons pas de difficulté avec un chapitre ça, parce que nous avons développé le chapitre là pour, après 13 ans. Mais il y a quelques éléments qui sont un petit peu sautés. Non, nous pas parler de nous en profondeur. Mais il y a raison pour ça, parce que tant pas de corriger, et pas que la pas de corriger, nous mangeons de tout ça. Alors, mes amis, m'abrivons-nous pour nous parler de qui ça, pour nous parler de la huitième tête de la veille. Dion bête qui gagne plusieurs têtes, non dit, non, étudiez aujourd'hui à une huitième tête bête. C'est qui bête lié, non, tout connaît sa tête. Allez, la parole 13, et c'est premier. Jusqu'au verset 3. Il se tint sur le sable de la mer. Puis, je vis monter de la mer, ça a fait Jean qui a parlé. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de loup et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande gloire, une grande autorité, excusez-moi. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Voilà. Les trois premiers versets. Donc, et il se tait sur les sables de la mer. C'est l'ange là. Apôtre Jean dit, puis, moi, on va sortir dans la mer, il y a une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Mais si nous étions avant, nous étions expliqués qui ça va être là. Nous étions parlé de 10 cornes, qui ça 10 cornes. Nous étions montrés 10 rois qui étaient élevés après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. La chute de l'Empire romain en 476, ça va faire que l'Empire romain vient diviser. L'Empire romain d'Occident n'avait pas existé encore. Maintenant, il y a 10 royaumes qui viennent lever. Et bien ça, il y a 7 têtes. Si pas, vous avez la première fois, vous avez dit déjà. Nous ne parlons pas l'important pour le bail déjà. La Josse référo à enseignement les trois parties de Babylone, à enseignement la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre. Mais rapidement, la bête, son système. Bête ça, il y a 7 têtes. Certaines bêtes-là, on peut dire que ça, 7 têtes-là, c'était 7 grandes puissances qui te dirigeaient le monde. 7 grandes puissances qui te dominaient le monde. On met bien 7 têtes. Mais par exemple, Jodia a étudié la huitième tête. Jodia, étude par exemple, il portait sur la huitième tête de la bête, n'est-ce pas? Mais on dit, bête ça, il te gagne 7 têtes. Il te gagne 10 cornes. Non, non, 10 cornes, non, c'est 10 rois. Lorsque la pire romaine d'Occident va exister encore. 7 têtes, c'est 7 grandes puissances qui dirigeaient le monde. Cette grande puissance, on peut le très bien, mais après, nous, pour les grandes puissances, c'était qui est-ce? C'était l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, la Rome païenne et la Rome papale. Donc, tout étudiant, moi, je suis que nous maîtriser cette telle bête-là bien. Cette telle bête-là, c'est qui est-ce? On dit, numéro 1, c'est l'Égypte. Numéro 2, Assyrie. C'est pas Syrie, capitale Damas, mais c'est le pays qui est Assyrie, qui existait dans le temps. Troisième puissance qui a dominé le monde, c'est Babylone, avec ce grand Nebuchadnezzar. Quatrième puissance, c'est les Mèdes et les Perses avec le grand Cyrus. Cinquième grande puissance qui dirige le monde, c'est la Grèce avec Alexandre le Grand. Sixième, nous rejoignons qui est? Nous rejoignons la Rome, principalement la Rome païenne, avec les grands empires, les grands rois, avec Néron par exemple. Et septième, tête bête-là. Qui c'est en puissance, c'est pas la réalité, mais c'est des mondes, c'est des dirigeants, c'est des hommes politiques, c'est des pouvoirs, c'est des gouvernements. C'est la Rome papale. La Rome papale, c'est la Rome dirigée par le pape, c'est la papauté, c'est la Rome papale. C'est la religion, c'est l'église.
c'est le système catholique soutable. Avancez. Nous disons que bête ça, il était bon coup, sa blessure mortelle fut guérie. C'est-à-dire, système catholique a été gros coup, là on a été gros coup, il était perdu autorité, il était perdu domination, mais blessure a guéri, c'est-à-dire, il retournait au pouvoir encore, remis le pouvoir encore. Et on dit, lorsque le jeune pouvoir qui s'est passé, toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. C'est-à-dire, du tout pour content, mais puissance sacrée pour mon coup, qui a affaibli, on dit, elle va faire encore. Il y a le haut par étant. Ben, c'est ça, mon temps nous parle. Et ça m'a dit, je vis une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était derrière de l'admiration, derrière la bête. Donc, bête sa tête pour coup mortel là, guéri, c'est même bête sa refait surface. Ah ben, refait surface là, sa tête existait au Moyen-Âge. L'Église était vraiment crasée, brisée. Mais ça peut apparaître encore à la fin des temps, mais ça peut apparaître encore et ça fait un pile ravage sur la terre. Il va tuer un pile monde, il va exercer une grande autorité sur la terre, nous disons principalement à la fin des temps. On a avancé pour nous comprendre bien et pour nous découvrir, lui seul tête ça, c'est qui est-ce. On a toujours été dans l'Apocalypse, cette fois nous allons dans l'Apocalypse 13. Non, après, on a quitté verset 4 là, on a quitté verset 5, on a quitté verset 6 là, on a quitté verset 7 et 8. Nous disons Apocalypse, chapitre 13, verset 5, verset 7 et verset 8. Verset 5, on dit que ça. Et il lui fut donné une bouche. Qui proférait des paroles arrogantes. C'est-à-dire, Yobal, maintenant, lui c'est la bête, Yobal, il y a une bouche, bouche à la proférer des paroles arrogantes, c'est-à-dire, la dit gros paroles et des blasphèmes. Il n'y a pas de blasphème déjà, c'est moi qui veux mettre une place dans le feu, c'est moi qui dis ça, il y a c'est moi qui dis vieille parole sur le mon Dieu, il y a eu un blasphémateur parce que mon Dieu a dit des blasphèmes, il y a balbutié des anciens, il y a blasphèmes, il y a proféré des blasphèmes. Une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois. C'est-à-dire, bête, ça n'a pas les lames, c'est-à-dire, mais son bête qui apparaît à la fin des temps. C'est une huitième tête bête, là. Bête, ça qui fait le pouvoir tel là, qui c'est là, homme, qui c'est sixième tête bête là, qui vous coupe. Lorsque Beth la vie guérit, septième tête l'a transformée en huitième tête. Vous savez, vous comprenez bien ça, ma vie. Beth, sa tête, pour moi, elle a monté dans le verset 2, hein? Il était sur un coup. Dans verset 3 de préférence, dans verset 3, il dit: et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la terre. Septième tête bête là qui peut courir, le guérir. C'est-à-dire, bête ça a été une blessure mortelle, c'est-à-dire, on dit que bête ça a été mourir, il y a pas de mortelle, il mourit, mais bête ça a ressuscité encore. Blessure mortelle là, guérir, bête ça apparaît encore. On va laisser ça plus mal dans notre texte. C'est pas plus clair tout. Blessure mortelle là, guérir, eh bien, guérison septième tête là, donne naissance à une autre tête. Parce que quand il y a l'exercice, l'autorité là, il y a une autre façon, dans l'autre niveau, dans l'autre dimension. D'où cette troisième tête devient la huitième tête. C'est donc la huitième tête du nombre des sept. On va le faire plus bas. Est-ce que non, on va le faire plus bas? Non, plus bas, on va le faire tout à l'heure. Cette huitième tête, nous disons, c'est septième tête la tête blessée à mort. Là. Ce système, c'est l'Empire romain qui était pour un gros coup. Maintenant, l'Empire gros coup, c'est l'Empire ça vient pas exister encore, l'Empire romain vient tomber. Mais bête la vient paraître encore parce que sa blessure mortelle était guérie. Puisque blessure mortelle l'a guérie, septième tête là devient huitième tête. Par conséquent, la huitième tête de la bête,
c'est encore la Rome, mais c'est la Rome papale qui va exercer autorité à la fin des temps pour une période de 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et demi. 42 mois, c'est 1260 années. Ah, 1260 jours. 42 mois, donc c'est 3 ans et demi. 42 mois, c'est 1260 jours. Donc, c'est dans la deuxième branche tribulation, qui est la grande tribulation, la bien qu'on étudie. L'un pour tout élément, ça va être dans la grande tribulation, là, pour étudier avec ça, c'est facile pour nous, parce que tout élément, on est déjà apprendre. Bref, mes chers amis, nous disons, tribulation, nous sommes venus, c'est une heure prophétique qui gagne à 7 ans, qui divise en deux parties. Lorsque l'épouse de Jésus-Christ passe et monte à l'ancien, ça peut passer qu'il y a là, ça peut passer, mes chers bien-aimés, eh bien, 8e tête là, les chaleurs paraître. Bête, ça t'est pas blessé, moi, t'es guéri, il y a, nous t'es joué une figure dans ton mariage là, nous allons retrouver encore à la fin des temps, là, bien seulement 3 ans, et de lui pour exercer tout pouvoir, toute autorité sur la terre. Ce qui laisse à faire, nous disons, c'est lorsque l'épouse de Jésus-Christ, par ses montées à l'ancien, et de sa, c'est cette tête là, qui va donc beau. Garçon par accompagné, la Bible est l'homme du péché. L'antéchrist, n'a pas pour développer le mystère de l'antéchrist à la fin des temps. Nous n'avons pas enseignement sur ça. Le mystère de l'antéchrist à la fin des temps. Avec ce monsieur, ça, l'antéchrist, c'est le paraître qu'il y a la fois 8e tête d'être là pour exercer dernier autorité, dernier pouvoir sur la terre, parce que là, il n'a plus le temps encore pour le craser, pour faire tout ça bien pour le faire. En avance, pour comprendre davantage. Mon verset 5 là pour lui dit, et il fit donner une bouche qui pouvait faire une parole arrogante et des blasphèmes, et il fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, on dit, la 8e tête agira pendant 42 mois ou 3 ans et demi. Nous disons que ce sera le point de la grande tribulation. Grande tribulation a duré 3 ans et 6 mois. Grande tribulation a duré 42 mois. Grande tribulation a duré 1260 jours. Parce qu'après 42 mois, Jésus-Christ a retourné sur la terre en fer et en os. Il va déposer pied sur la terre maintenant pour commencer son règne. Donc, nous qui disons le monde, c'est pas la carrière ciel, nous parler, nous savons que nous allons dans le parce que nous disons l'épouse de Jésus-Christ va lancer là, il va aller pour 42 mois. Après 42 mois, il va retourner sur la terre avec Jésus pour régner éternellement. Alléluia. C'est donc la promesse des enfants de Dieu. Amen. Alors, nous allons aller dans verset 7-8. Et il lui fut donné, de faire la guerre aux saints. 8e tête de là. Bon Dieu m'a le pouvoir pour faire la guerre avec petit bon Dieu. Et l'a vaincu. C'est-à-dire, à la fin des temps, mes chers amis, mes chers amis, mes chers étudiants, en pile chrétien a mouru pendant la période 3 ans et 6 mois. Pendant la période 3 ans et 6 mois, en pile chrétien a mouru. Bête là, tu en pile monde. Qui est-ce qui va le pouvoir pour tuer en pile monde? Bon Dieu. Bon Dieu d'accord comme ça. Bon Dieu voulait le comme ça. Bon Dieu décidait pour pile petit qui mourit lorsque l'épouse de Jésus-Christ passait monter à l'ancien. Il y a un monde qui dit lorsque l'église montait, il y a un monde qui dit l'église va subir la grande tribulation, etc. Et donc, je ne sais pas où ça va faire monter, pas tellement correct. Pas dit l'église va subir la grande tribulation, il y a dit l'église a bien monté, l'église va faire pas qui claque, pas en go, l'église va pas dans le ciel. L'église va pas dans le ciel. Donc, l'église va pas dans le ciel, mes amis. Non, c'est l'épouse de Jésus-Christ qui va dans le ciel. C'est 40, c'est combien de monde qui va dans le ciel? C'est 144 000 monde qui constituent l'épouse de Jésus-Christ. C'est eux qui ont passé monter à le ciel. Donc, l'église pas là. Alors, bon Dieu va être pouvoir pour mettre à faire la guerre avec petit bon Dieu. Nous voyons que les batailles vont commencer. Dans l'Apocalypse 12, nous voyons ça. Nous dit, et les 20, et il lui donner d'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, c'est clair, la 8e tête de la bête fera la guerre aux saints à la fin des temps pendant la période de la grande tribulation. Donc, c'est bon Dieu qui a privé petit bon Dieu dans la mer. Bon Dieu a privé petit Dieu, la 8e tête bête là, pour faire la guerre avec eux. Le dit la bien autorité, et lui fut donné
autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue. Donc, huitième tête bête, là, la bien pouvoir sur toute tribu. Exemple, en Haïti, nous disons, nous faisons partie de la tribu des Arawaks. C'est-à-dire, huitième tête, la bien pouvoir sur nous, la autorité sur nous. La bien pouvoir sur tout peuple, nous sommes le peuple haïtien. Et la bien pouvoir sur toute langue, la langue créole. Donc, la vie pourra sur toute nation, la nation haïtienne. C'est-à-dire, quel que soit côté dans le monde, on va persécuter. Donc, des informations qui viennent de qui disent que, bon, pas qu'il y ait Canada, surtout les Haïtiens, qui commencent à quitter Canada, qui veulent venir dans le pays en Haïti, ils vont le cacher. Parce qu'ils vont apprendre que c'est de ne pas le produire dans le monde-là. Donc, maintenant, ils vont agir, ils sont obligés de le cacher en Haïti, de telle sorte que, bien, ma cabine, probablement ma place, etc., etc. Et nous ne sommes pas là, là c'est notre l'église. C'est notre l'église qui apprend que Beth Abraham est en mouvement. Et donc, le fait que Beth Abraham est en mouvement, le bataille est mal de la mer. Donc, comme il va avec le mal de la mer, on va le persécuter, il commence à mal le paquet pour retourner dans la vie. Alors, lorsqu'on lit Texas, ou à quel que soit pays où il y a un problème, parce que c'est le gouvernement mondial qui va l'établir. Ce n'est pas le gouvernement de lieu géographique qui est con. Ce n'est pas le gouvernement américain, ce n'est pas le gouvernement haïtien qui exerce l'autorité en Haïti, ce n'est pas le gouvernement chinois qui exerce l'autorité en Chine, ce n'est pas le gouvernement du Brésil qui exerce son autorité au Brésil, mais ce n'est pas le gouvernement mondial, c'est-à-dire tout bagage n'a pas sous compte, bête, huitième tête là, l'école a sous compte, l'économie a sous compte, l'église a sous compte, tout bagage, la politique a sous compte. Donc, faites ça, mes chers ennemis, la responsable toute bagaille entièrement. Donc, ce qu'on a au cas en Haïti, ce qu'on aurait été au Canada, ou bien au Brésil, dans quelque chose en dehors, il y a aucun problème. Pour qui ça? Parce que, ici, en tête de là, il y a le pouvoir, il y a l'autorité, sur toute langue, sur tout peuple, sur toute nation, quelque chose en langue ou parler, ou à besoin responsable. Ou besoin responsable, comme je le disais tantôt, huitième tête là qui l'a. Parce que la métabli gouvernement dans chaque pays, huitième tête là, la bio gouvernement parle en Haïti, parce que son gouvernement mondial, l'un de la bio gouvernement parle, c'est l'un de la bio représentant. Tout gouvernement qui existe a en bas autorité, a en bas domination. Donc, à le cacher, pas le cacher, c'est la même chose. Ce qui est certain, calamité est à le cacher d'un pays à l'autre, d'une nation à l'autre. D'un côté, il a commencé à frapper plus fort, c'est normal. C'est normal du côté de la frapper plus fort. Maintenant, ce que vous devez comprendre, mes chers étudiants, c'est que si huitième tête d'être là, son gouvernement mondial que il y a, politique va comprendre, c'est-à-dire l'armée, la gouvernement mondiale, économie en amène, c'est-à-dire pas pour seule économie dans le monde, avant qu'on ait des monnaies haïtiennes, des monnaies ci, des lagos, des lots, l'animal, à la fin de travail, ça finit. C'est un seul monnaie qui va contrôler le monde là, parce que c'est une seule économie. C'est ça que fait, les États-Unis, c'est avant eux, les États-Unis, la bête qui mange la pierre. Nous te montrons que, ou pas qu'à vendre, ou pas qu'à acheter, sous pas dans ma bête là, dans le fond, ou bien sous mes droits, ça signifie, ou l'un même, c'est-à-dire c'est associé à la système, d'accord ou non le système, d'accord ou marcher avec, ou bien prendre dans le fond. Mais l'enfant, vous voulez dire idéologie, hein? Idéologie monnaie unique, là. Économie mondiale, économie unique, là, pas belle. Idéologie, on sort de l'église, là. On sort de religion, religion, on sort de la ou d'accord, idéologie, c'est les deux qu'on va là, non. Fond. C'est pas on va dire Mathieu, là, etc. Et 660, c'est une enfant. Non. C'est. Il va mettre dans une situation pour d'accord, vous va d'accord. Le gouvernement va mettre des structures campées pour d'accord. Est-ce que d'accord ou pas d'accord? Ou d'accord? C'est-à-dire, ou associé avec eux. Le système capitaliste, tout ça. Mon pas d'accord, tout, ou en bas persécution. Il y a tué, ou à mourir. Mais dans le cas du 100%, on va mourir, c'est certain. Parce que bon Dieu a réservé un peu l'autre monde. Parce que le monde qui a blâmé lorsque Jésus va retourner sur la terre. Mais c'est bon Dieu qui n'est pas d'accord. Ben, ça va faire la guerre avec petit bon Dieu. Et bataille, sa guerre, ça va commencer. Après que l'église passe, l'épouse, excusez-moi, passe monter à l'ancien pour un temps de temps et la moitié de temps. Tout le monde dit un temps, des temps et la moitié de temps, qu'il y a 3 ans et 6 mois, ou qu'il y a 42 mois, ou qu'il y a 1260 jours. Alors, on voit clair là,
son gouvernement mondial qui a établi la découverte sur toute langue, la découverte sur toute tribu, la découverte sur toute nation, la découverte sur tout peuple. Donc, par la peine, vous devez aller le cacher tel côté, etc., etc. Donc, pensant que dans tel côté, vous ne pouvez pas toucher. Tout le monde a touché. Pour ne pas toucher, il suffit que vous acceptez dans la masque là, vous acceptez associé avec le système. Ou accepter ben, la main d'association avec le système. Mais ne vous pas d'accord, on va persécuter quelque chose à côté de là parce que son gouvernement mondial. Ce qui est certain, mon bon Dieu va aller mourir, mon Dieu a protégé. Mon bon Dieu va aller mourir, mon Dieu a gardé une façon ou une autre façon. Mon Dieu a pris soin. Donc, souvenez-moi, vous pouvez vous cacher en attendant. Vous pouvez cacher. Mais si mon Dieu décide de vous mourir, vous quand même. Parce que mon Dieu déjà va mettre à pouvoir, il a l'autorité pour faire la guerre avec les enfants de Dieu et pour le vaincre, c'est-à-dire pour tuer, de remplir pour mourir. Pourquoi pas quoi faire le bailleur sur eux, ou faire tout pour ce qui est nécessaire. Mais si l'offre là, mon Dieu, pour mourir, eh bien, il y a tué, mais au cap, de toute manière, il y a toutes les postures qui sont nécessaires pour capable échapper des systèmes. Mais comme ce système mondial, même dans ce qui nous a, donc, seule façon pour le chapeau, c'est mon Dieu qui peut couvrir, c'est mon Dieu qui peut protéger. Alors, reste texte en disant ça. Il dit, seul monde, tous les habitants de la terre l'adoreront. Lorsque bête s'apparaît, dit-elle, bête apparaît à la fin des temps. Lorsque Antéchrist apparaît à la fin des temps, tout habitant de la terre va l'adorer, parce que le content va l'adorer, bête là. Il va l'adorer, il tient tête là, qui c'est la papauté. Qui c'est l'église catholique qui va se transformer en l'église mondiale. Lorsque l'église, lorsque l'épouse passe à côté, son seul église va exister sur la surface de la terre. Pas bien protestant, pas bien baptiste, adventiste, pas de cotiste, etc. Je vais imposer une seule religion. Sous d'accord, ou père ou pas la donne. L'un de pas la donne, c'est de nous pour sauver, pas de moi pour sauver. Sous pas d'accord, sous pas de marque d'être là. Donc, il y a sûr, c'est vrai. Mais lorsque Christ va venir, on va ressusciter. Je dis, le monde qui a adoré bête là, c'est tout le monde non y a pas écrit dans le livre la vie là, dès la fondation du monde. Il n'y a pas inscrit dans le livre agneau qui était immolé dès avant la fondation du monde. Alors, nous comprenons que il y a un monde qui sauvé, pour s'en sauver avant le monde là qui est créé. C'est-à-dire avant que le t'es fait. Tout le monde peut dire qu'il y a plein de salut pour vous. Dès avant la fondation du monde, plan ça, mon Dieu, pays la mourir. Et mon Dieu, il est venu dans le service pour mourir aux portes. Par conséquent, on va participer à nos croisades, dans nos réveils, dans nos réveillons, dans nos veilles de nuit, dans nos services quelconques. On est parti, on va accepter le gouvernement de Christ. Puis la pièce pour nous vendre, je dis à non inscrit dans le livre la vie, c'est pas bon. La guerre, ça est incorrect. Mon cap sauvé, non inscrit dans le livre la vie, dès avant la fondation du monde. C'est pas mal de dire, on lit là dans Apocalypse 13, le verset 8. On lit ensemble avec moi là. Hein? Dans verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Qui habitent de la terre? Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. C'est dans le livre Christ là, s'ils n'ont pas inscrit là dans le désert avant la fondation du monde, quel que soit prier ou prier pour vous, pas sauver. Quel que soit gêner ou faire pour vous, pas sauver. Donc, il faut que vous soyez déjà inscrit dans le livre là pour bien faire à la vie. Donc, tout le monde, à la fin des temps, c'est la vie qui va enlever, vous ne pouvez pas faire partie de l'époux de Jésus qui sont dans le ciel, vous ne savez pas, vous sur la terre pour vous persécuter, vous avez subi la grande tribulation, la persécution de l'Antichrist, de la huitième tête de la bête. Vous allez persécuter, donc immédiatement, vous allez accepter. Madbeth là, il a persécuté, empilé, a mouru, tout simplement. Bon, je vais essayer de le voir ça. Lui-même, le papa l'a adoré. Alors, nous disons que la huitième tête de la bête fera la guerre aux saints à la fin des temps, pendant la période de la grande tribulation. Dieu livra les saints entre les mains des enfants du diable. C'est mon Dieu qui décide de le faire, mon Dieu qui a peuple en amélioré pour persécuter, mon Dieu décide de le faire. Donc, on n'a pas besoin de peur. Si il a persécuté, c'est mon Dieu qui choisit comme ça. C'est le choix de Dieu. Apocalypse 13, verset 11. Qui ça nous dit dans Apocalypse 13, verset 11? Et il dit, puis je vis monter de la terre une bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ouais. La bête, nous disons, bête a eu son système.
son système qui à la fois politique et religieux. Huitième tête d'État à la fois politique et religieux. Politique, c'est la liberté de pouvoir sur tout pays qui existait. Religieux, c'est pour la seule église qui peut dominer, la seule religion qui peut dominer à cette époque. Maintenant, clair, c'est ça que nous dit, bête là qui me dit, il était deux cornes, semblable à celle de l'agneau, deux cornes sont figures, c'est une image, c'est un type. Chaque cornue, il représente, une cornue représente le pouvoir politique, l'autre cornue représente le pouvoir religieux. Autrement dit, Babylone politique et Babylone religieuse. Seul Bethsan, il y a deux cornes qui sont dans la. Deux cornes, à celle de l'agneau, c'est un petit agneau, et qui parlait à quoi même l'agneau, ouais. Agneau, l'agneau, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, le péché du monde. Avec Bethsan, il y a une proposition agneau. L'impôté la paix, c'est la religion. Et par les trappons de dragon, ça c'est le bras politique. C'est le bras armé. Est-ce que vous comprenez? C'est le blanc politique, c'est le blanc armé, c'est la force du ami. Bête là, l'hypothèse religion là, à la fin des temps, on va laisser religion. Le Seigneur, il y a pas de bon Dieu, il y a pas de la sainteté, il y a pas de service, mon Dieu. Mais c'est bluff que lui. C'est bluff. Il permet de griffider à la fin des temps, il peut agir à tout le monde. Il va agir à tout le monde. Dragon, dragon, c'est Satan. Satan, le diable. Le serpent ancien, c'est le dragon. En avancé. Donc, nous disons, là, nous devons agir. Le dragon qui est à la fin des temps. Apocalypse 11, verset 3 à 7. On nous passe ce soir pour le verset 3 à 7 là. Et pour gagner du temps, on ouvre Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. D'après verset 5 et 6. Apocalypse. Chapitre 12, verset 5 et 6. Qui s'annonce? Elle enfanta un fils. Elle, c'est la femme. Elle, c'est l'église. La vraie église. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations. Le fils ici, c'est les membres de l'épouse de Jésus. Fils ici, c'est une image religieuse. C'est une photo, c'est une figure. C'est pas un petit garçon en réalité. Non. De même, elle enfanta, c'est mon femme naturelle qui bat naissance à mon petit garçon. C'est l'église de Jésus-Christ qui bat naissance au membre de l'épouse qui va se monter dans ses trois insignes. En allez. Elle enfanta un fils qui va faire toute relation avec une veine de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Donc, l'épouse de Jésus-Christ passe au ciel et l'église, sous avait dit, reste l'église là, et puis en fait, il y a caché dans le désert. C'est ça que nous disons. Même l'homme court, nous ne savons pas vous dire, vous avez protégé, vous avez caché, vous avez serré. Quand vous avez caché en Haïti, ça ne va pas faire grand-chose, ça ne va pas faire grand-chose. C'est des problèmes écologiques, Canada, etc. Si vous avez des barrières, vous avez des systèmes. Si vous avez des barrières, vous avez des soit en Haïti pour pas affecter, mais pour comprendre ok. Mais pas si tu as de l'eau en Haïti pour protéger à 100%, c'est faux. C'est faux, mais agis tant qu'on fasse tant qu'on refasse tout. Tant qu'on fasse tant qu'on refasse tout, c'est le gouvernement mondial qui dit. Donc, meilleure protection, c'est mon Dieu qui a barré. Ouais, ça qui passait lorsque les poussins s'est monté, eh bien, l'église a le caché dans le désert. L'église courait à le cacher dans le désert. Où elle avait été, où elle avait un lieu préparé par Dieu. Et bon, j'ai nourri le côté il y a pendant 1260 jours. Bon, j'ai nourri pendant 1260 jours parce qu'après 1260 jours, Jésus-Christ a retourné sur la terre. À la fin des tabernacles, Jésus-Christ a retourné sur la terre. Il va déposer bien sur la montagne des oliviers. Après, là, nous, cap sur là, étudiant, enseignant, ça veut dire, ensemble. Donc, l'épouse de Jésus-Christ est enlevée au ciel. Et l'église est enlevée cachée dans le désert pendant 42 mois. Avec le vent, l'extrême puissant de la 8e tête, de la 8e tête, très puissant, avec l'église par l'oublier à le cacher. On ouvre verset 10 là, même Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : maintenant le salut est remis à notre place. Et Uen est le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait,
devant le trône jour et nuit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'épouse de Jésus-Christ monte au ciel pour un temps, des temps et la moitié des temps, avec beaucoup de grèves dans le ciel là, maintenant, dans la ça, bon Dieu va précipiter Satan et ses anges sur la terre. Satan et ses anges, donc les lieux célestes, vient dominé par Satan, par des êtres, par des forces célestes. Mais lorsqu'il lui pousse mon tête, Satan va déchaîner, Satan va en colère, avec qui ça va passer les arts, il a précipité. Verset 10 dit non. Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Christ, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Donc, Satan va le précipiter sur la terre, maintenant, il va péter dans le ciel encore. Maintenant, voilà ce qui va passer après le 12, verset 13 là. Nous voilà ce qui va passer lorsque Satan, bon Dieu, l'a mis la terre, on y a là. Verset 12, 13 là dit non. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Tout le monde qui est dans le ciel, il est content parce que diable, tous les anges, tous les anges, tout le monde est venu en bas. C'est là de réjouir. Mais si mon côté a de réjouissance, bon l'autre côté, c'est pas réjouissance qui a bien, non? C'est malheur. Bon l'autre côté, c'est pas réjouissance, c'est malheur. On va mettre ça, on reste exemple, qui ça dit non? Malheur à la terre et à la mer. Hein? Tandis que le ciel a réjoui et tout le monde qui habite dans le ciel, qui est content, qui est content. Mais malheur à la terre et à la mer, pour qui ça? Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité, laissa le bon Dieu vider la terre en bas, bon Dieu chargé de tête en bas sur la terre, il poursuivit la femme, c'est-à-dire l'église, qui avait enfanté l'enfant. Et ça fait. Bon Dieu dit, prophétie a dit malheur avec la terre. Parce que le bon Dieu vit de Satan en bas, Satan, qu'on y a là, qui va bon Dieu précipiter, il est obligé qu'on y a là, pour poursuivre l'église là. C'est la persécution, on peut commencer dans les derniers 3 ans et demi. Se laisse à elle, on peut le persécuter, on peut le craser, on peut le tuer les enfants de Dieu. Verset 14, nous captons en chaîne avec verset 14, jusqu'au verset 16, pour nous comprendre ce qu'il a dit là. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole à l'isère vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié de temps, loin de la face du ciel. Donc, mon Dieu va protéger l'église. Donc, le monde, mon Dieu va quitter le monde, mon Dieu va cacher, mon Dieu va serrer, mon Dieu va protéger. Mais, le monde, mon Dieu va quitter et mourir. C'est son choix. Verset 15 a dit que de sa bouche, dans le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Son figure pour montrer côté sa part fait la guerre avec des enfants de Dieu, la gouma avec. Et la terre secourit la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Verset. La bouche, non? Dans verset 13, verset 16 là. Donc, n'a pas avancé, d'accord, verset 17 là. La bouche, dans verset 17, très important. Verset 17 dit, et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en a l'affaire, mais ça me dit dans l'Apocalypse 13 là. Et il s'en a l'affaire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ouais. Bon Dieu, ben, Satan pouvoir pour la faire la guerre avec petit bon Dieu. Il y a un monde qui dit tout vrai chrétien, yo, tout chrétien qui est fidèle à passer mon ciel. C'est que si on voit tout capoté, bon Dieu qui t'entend pour vous repentir. Ça, c'est faux. Enseignement ça, il n'est pas biblique, il n'est pas de Dieu, il n'est pas chrétien. Ça, sont fausses doctrines que lui. La question, c'est chrétien, on voit tout capoté. Bon Dieu choisit de créer l'église là, le ministre des brebis, mais c'est seulement 144 000. Après ça, toute l'église là a été sur la terre. D'ailleurs, nous sommes tous à l'église, à cacher l'église. S'enfuira dans le désert. Bon Dieu, réserve au lieu pour protéger l'église. Par contre, qu'une église qui a passé, monter à l'ancien. Ce genre d'enseignement, il n'y a pas de Dieu. Tout enseignement, pas de Dieu, donc on est bien fluide, certainement. Là, verset 17 a dit non, vous bagage, il y a pas de 12 là.
Si c'était chrétien, si c'est chrétien, pas de conserver, mon Dieu, vrai, coussi, ça. C'est mon ça ouvre. Verset 17, là, ça dit non. Et le dragon, c'est Satan. Fido fut irrité contre la femme, c'est-à-dire contre l'Église, et il en alla faire la guerre au reste de sa postérité. C'est-à-dire, reste l'Église là, Satan peut le faire. Satan peut déclarer la guerre, mais c'est mon Dieu décider ça comme ça. Il dit, à qui est-ce qu'il va faire la guerre, avec l'Église là, virgule, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Bon, mon Dieu, regardez les commandements de Dieu, mon Dieu, le chrétien, mon Dieu, comme chrétien, mon Dieu, là, comment les chrétiens ne parlent qui t'a voulu venir pour vous, mon Dieu, qui t'a voulu venir pour vous, pour vous repentir ou pas. Enseignement, ça va droit. Ouais, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Comment pasteur et mon Dieu, chrétien, mon Dieu, là. Ah non. Donc, huitième tête de la bête là, il parle très puissant à la fin des temps, mes chers bien-aimés, mes chers. Maintenant, on regarde ça qui dit l'Apocalypse 13, versets 11, 14, 15, pour nous voir quelque chose. Après ça, pour nous tomber dans l'Apocalypse 16, pour nous prendre 17, pour nous terminer, c'est toi la question huitième tête. Apocalypse 13, versets 11, 14, 15. Apocalypse 13, versets 11, 14, 15. Apocalypse 13, verset 11, verset 14, verset 15, verset 11, verset 14, verset 15, c'est-à-dire verset 12, verset 14, verset 14. Verset 11, verset 15. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, sa voix c'est le manioc et qui parlait comme un dragon. Mais sur les textes, nous partons de la souris, nous lisons pour faire relation à ça, verset 14 l'a dit. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la bête de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 15. Et il me fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Vous va gagner, monsieur. Donc, l'image de la bête, mes chers amis, ça fait référence à la papauté, c'est-à-dire à l'Église. La bête, dans le contexte de la parole, septième bête là, c'est la Rome. Tu comprends ça, on peut étudier ça. C'est la Rome. Maintenant, bête là qu'on coupe, mortel, bête là qui guérit. Puisque qu'on coupe mortel, il est guéri. Maintenant, bête ça, lui mandé pour faire qui ça? Pour faire une image de premier bête là, c'est la septième bête là, il est guéri. Pour que l'image sale parle, il y a une image à parler, tout le monde m'a dit ça. Ou une image bête à parler. C'est-à-dire, c'est même bête-là qui paraît sur l'autre forme. C'est ça, c'est le mystère ça qui a dégagé. Bête ça vient parler, bête ça parle, image la parler. Donc c'est la papauté. C'est donc la huitième tête de la bête. C'est septième tête-là qui te prend pour. Qui guérit, guérison septième tête-là donne naissance à huitième tête. C'est la papauté. Est-ce que c'est clair? C'est la papauté. Donc, disons, l'image de la bête fait référence à la papauté, exerçant sa puissance avant la réforme protestante. Avant la réforme protestante, tout le monde, avant la réforme protestante avec Martin Luther. Donc, Luther, peut-être, laisse la pape comme un pouvoir. Il a exercé un gros pouvoir, c'était la papauté. Maintenant, la libre pouvoir, il veut demander pour faire ça, pour faire image première bête, là, image première bête, là, c'est-à-dire c'est la papauté. Il n'y a pas le image de la bête, il n'y a pas de la papauté, pas de la papauté, il n'y a pas de l'église catholique. Parler de la Rome. Hein? C'est parler de la Rome papale. C'est parler de la Rome papale. Non pas de la Rome païenne, mais parler de la Rome papale. Ça, c'est beau mystère à développer là. Alors. Dans verset 16 là, qui ça veut dire? Dans l'Apocalypse 16, verset 16 maintenant. Dans l'Apocalypse 16, verset 1 à 6. Nous allons voir quelque chose. Nous voyons ça qui va passer. Parce que quand il y a la législation qui a fait la campagne, mon Dieu a commencé à verser
Bon Dieu a commencé à fâcher contre la 58e tête. Bon Dieu a fâché contre le gouvernement mondial, ça qui dit c'est contre petit palio, lorsque l'épouse passe mondial dans le ciel. Bon Dieu a lâché coup collègue sur la terre. Bon Dieu a frappé la terre. Nous allons ça à partir de l'Apocalypse chapitre 16. Nous pas prêter sous lui, n'a lit tout collègue bon Dieu a lâché sur la terre. Où, lorsque l'épouse de Jésus-Christ passe et montée, lorsque elle nie, hein, lorsque l'antéchrist, là, lorsque il tient tête à faire la guerre, les déchaînés commencent à faire la guerre avec petit bon Dieu. Nous parlons, bon Dieu peut la guerre, bon Dieu peut frapper totalement. Bon Dieu peut la guerre 7 coups collés sous le monde. L'ennemi sous le monde, c'est pas tout le monde parle de nous, sous le monde qui cap servi Satan. Nous parlons comment bon Dieu peut frapper. Hein? Très dur. En allant. Apocalypse 16, n'a pris rapide, assure mon vieux Bible de même, n'a pris rapide, qui s'en ouait, et j'entendis une voix qui venait du temple et qui disait aux sept anges, allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Sept anges, sept coupes. C'est-à-dire, avant Jésus venu, il y a sept coupes qui peuvent tomber sur la terre. Sept coupes de la colère de Dieu. Qui l'avait sa fête, nous dit la fête, non. Lorsque l'épouse de Jésus-Christ montait dans le ciel, lorsque Satan commençait à faire la guerre avec Dieu, mon Dieu maintenant va décider de frapper la terre. Mon Dieu va frapper la terre. Mon Dieu ne va pas parler de la constater elle n'y a qu'à tuer petit lit, mais mon Dieu a montré un jugement avec nous. C'est ça, nous voyons dans le chapitre 16. Donc, verset 2, elle dit le premier, c'est le premier ange alla et il versa sa coupe sur la terre. Qui s'est passé le bon Dieu coupe collée là, premier coupe collée, qui s'est mis. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Tout le monde qui a accepté l'image bête là, tout le monde qui a accepté le système bestial là à la fin des temps, tout le monde qui a accepté pour un mac là, soit sous main ou soit sous fond, autrement dit qui associe avec le système là, bon Dieu, la bon ulcère malin sur vous. Alléluia. Et douloureux. Il n'y a pas de guérir, il n'y a pas de médecin qui a fait rien pour vous. Même si vous avez un gros médecin qui existe dans le monde, bon médecin, ça va tout, bon Dieu, frère, c'est tout ça qui prend ma bête. Verset 3. Le second versa de sa coupe dans la mer et elle devint du sang, la mer vit rouge, comme sang, comme celui d'un mort et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer, tout bête qui était dans la mer, poisson, etc., tout a mouru. Troisième, Angelan versa coupe collée. Fleuvieux sous l'eau, ça qui passait, il devient tant pour sang. 5. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Verset 6. Quand ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. Parce que je t'ai tué, petit bon Dieu. Je bois sans petit bon Dieu. Je t'ai fait ça au Moyen-Âge. Maintenant, je vais le faire dans la période de la grande tribulation. Parce que je fais ça avec mon Dieu, c'est au même bagage à tout. Et même bagage. Ils ont versé des saints, ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Et mon Dieu, c'est au même bagage. Verset 7, après le 16. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Bon Dieu a frappé la terre, et puis gagné des créatures célestes qui ont dit, oui, ça va bien faire, c'est ça, ou juste en soi faire. Jugement véritable, jugement juste. Verset 8. Quatrième ange l'ange verse coupe collée là sur la terre, qui côté verset les mêmes verset sur le soleil. Ça qui passait, et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Alléluia. 9. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, le nom du Dieu, qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Malgré mon Dieu, là, mon chaleur brûlant qui a brûlé les hommes, eh bien, ils ont même, au lieu de bénir mon Dieu, au lieu d'accepter mon repentir, ça est passé, il y a blasphémé mon Dieu, il y a parlé mon Dieu mal, il y a continué à lancer des propos, et il y a profané mon Dieu, il y a proféré des paroles arrogantes contre mon Dieu. Cinquième ange, elle avait ses coups collés là, sur le trône de la bête maintenant, et son royaume fut de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leur ulcère. Hein, bon Dieu frappait au jugement, au lieu de repentir,
il a continué à parler de Dieu. Sixième verset, ça coupe sur le grand fleuve. Comment fleuve ça y est? Euphrate et son otarie. Fleuve la ville sèche qu'on te peint. Afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc, lorsque sixième ange l'enversé coupe par là sur la, sur fleuve Euphrate, fleuve Euphrate a les mêmes lignes sèches, parce que fait chemin pour Christ là, déposer pied sur la montagne des Oliviers, fort chemin frayé. Lorsque Jésus déposait pied sur la montagne des Oliviers, montagne la balle pendant deux, jusqu'à marcher, la fleur Oudli, côté fleuve Euphrate Théa, c'est pas un chemin pour Christ passer, parce que fleuve la balle sèche. Quand on coupe, j'en dis là, c'est pas des choses merveilleuses sur la terre. Jésus-Christ parle en direction Jérusalem maintenant. Alléluia. Pour la rentrer dans le temple. C'est un gros merveilleux sur la terre. Verset 14, non, verset 13. Et je vis sortir de la bouche du grand, du dragon. Et je vis sortir de la bouche du dragon. Et de la bouche de la bête. Et de la bouche du faux prophète. Trois esprits impurs. Semblable à des grenouilles. C'est pas esprit impur. Esprit impur, c'est politique, économique, social. Les trois grands esprits impurs, c'est trois parties de Babylone, mes chers amis. C'est donc les trois parties de Babylone. C'est ça, on entend par esprit impur ici. Esprit impur, c'est à ça, il fait référence. C'est à ça, mes chers amis, il fait référence. C'est pas comme si nous avons là, et où est trois esprits absolument dans la bouche bête là. Non. C'est pas ça du tout, mes chers amis. Donc, on va continuer. Verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Ça, c'est Jésus. Voici, je viens comme un voleur, ça c'est Jésus. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Garde ses vêtements, c'est-à-dire garder comme un bon Dieu. Qui est tout propre, qui est tout en principe, en discipline. Goumen, pour qu'il mette tout au niveau, jusqu'à ce qu'il unit, afin qu'il ne marche pas nu et qu'il ne voit pas sa honte. Il faut toujours couvrir avec la gloire de Dieu. C'est heureux pour nous aller. Verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu, appelé en hébreu Armageddon. Lorsque vous avez frappé, vous avez frappé plein sur vous, il va réunir tout pour nous parler. Il va déclarer une grosse bataille avec mon Dieu, ou ça, avec Jésus, ou ça, la bataille d'Amagédon. Nous avons étudié la bataille d'Amagédon. Le septième verset de sa coupe d'alerte, et il sortit du top du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait, tout est fait, tout est fini. Hein? Et il y a des éclairs, des voix de tonnerre, un grand tremblement de terre. Terre qui n'avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, et depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Donc, tremblement de terre, pour faire, ça ne pourrait jamais faire depuis que la terre existait. C'est le cas que ça contrôle dans le monde, le terre tremble dans la bio. Assurez-vous la bonne route, ça peut le monde, assurez-vous qu'il y a crasé. Si tout le cas qui va construire un pays, il fait en bas de Haïti, par exemple, un homme sismique, pas sismique, il n'est pas respecté. Un tremblement de gros building va tomber, il va besoin de petit cahier en Haïti. Un gros chemin de fer, route qui fait pas la terre, route métro, un tremblement de terre, ça va aller assez vite tout. Un gros building qui fait bien hauteur. Là, dans la grosse technologie, les hommes, quand vous allez faire ça, vous tout le monde, tête en bas, c'est comme ça que mon Dieu décide pour faire les choses, c'est comme ça que mon Dieu décide pour frapper la terre. Maintenant, dans Apocalypse, dans toujours Apocalypse 16, là, verset 19, et la grande ville fut divisée en trois, La grande ville, c'est la ville de Babylone. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint du Babylone. Voilà la grande. Pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Mais la plus grande ville fut divisée en trois. C'est-à-dire les trois parties de Babylone. On connaît déjà la partie politique ou civile, la partie religieuse, la partie commerciale ou économique. C'est ça, on entend pour les trois parties de Babylone. Nous te connaissons ça déjà, nous te connaissons ça bien. Maintenant,
Apocalypse 17, verset 3 à 6. Apocalypse 17, mes chers bien-aimés, nous prenons verset 3 à 6, en arrière rapidement là. Apocalypse 17. Bon texte extrêmement important, mais j'ai un petit pour nous. Oui, la vie sous les là. C'est très, très, très important. On allait. Apocalypse 17, mes chers bien-aimés, c'est le dernier texte à point. Apocalypse 17, verset 3, verset 6, verset. N'a pas juste en verset 10. Verset 10, 14. Ok. N'a pas Apocalypse 17, verset 3 à 14. Dernier texte en point pour nous. Nous ne pouvons pas charger un texte. Là, nous parlons de conviction de tête d'État. Effectivement, ça a lieu. Apocalypse 17, verset 3. Qui ça nous dit là-dedans? Apocalypse 17, verset 3. Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce que je nous dis? Ok. Apocalypse 17, verset 3. Il le transporta en esprit dans un désert. Ça, c'est qu'est-ce qu'a prononcé l'apôtre Jean. Ben, je le transporte en esprit dans le désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine des noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Donc, il y a l'autre qui s'est obligé à étudier le texte de Babylone. Il a étudié l'enseignement, le traité de Babylone, mais tout parler de prendre Bethla, de nous Bethla, qui s'aligne déjà. Bethla avait sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre. Cette femme, c'est par l'homme bagaille. Cette femme, ici, ce n'est pas la femme de manière naturelle, mais cette femme dont il s'agit ici, c'est la papauté, c'est la fausse église, c'est Babylone. Vêtue de pourpre et de calat, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'admiration de sa constitution. Si son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Nous avons développé ça déjà, nous avons montré la dedans. Verset 7. Et l'ange m'a dit, pourquoi étonnes-tu? Pourquoi sois-tu étonné? L'oreille, madame, ça comme ça. Je te dis le mystère de la femme, et la tête qui la porte, qui a les sept têtes, et les dix cornes. Vous n'avez pas le mystère comme ça. Vous m'avez étonné, vous n'avez pas le ministère comme ça. Et lui-même, il ne va pas retourner Bête qui peut les femmes, non? Bête ça qui est sept têtes, qui est dix cornes. Verset 8. La bête que tu as vue était. Verset 8. En lire avec précision parce que c'est extrêmement important pour nous. L'autre sens est important pour nous, mais on est développé déjà. La bête que tu as vue était. Et elle n'est plus. Elle doit monter de la Bible et à la perdition. La bête que tu as vue était, mais ça fait là, n'est pas là encore. Parce que Bête a été pris un coup mortel dans le théorème de la Bête a été pris un coup mortel, Bête a pas là encore. Système n'a pas encore. Système n'a pas. Elle n'est plus. Ça t'a passé. Et elle doit monter de la Bible. Je dis à la papauté, dans le niveau où tu es au Moyen-Âge, là où tu as fait une effet quasi misère, dans le niveau où tu as pouvoir sur la terre, il n'y a pas rien encore, je dis. C'est ça que je dis, bête là, il était là, il n'y a pas là encore. Mais la ressuscité, il dit, là, ça passait, la montée de la Bible, c'est-à-dire qu'il pas, il y a un terrain dans la Bible, mais il est dans le haut, montée de la Bible. C'est-à-dire, lorsque l'épouse de Jésus-Christ a monté, bête là, tout même. Mais pas bien plus le temps, nous allons voir sa Bible. Il va bien plus le temps. Mais nous allons déjà aller. Nous allons passer 3 ans et 6 mois. Mais nous allons voir sa Bible. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de la Bible et aller à la perdition. C'est-à-dire, aller à la perdition, c'est-à-dire, c'est une bête qui voue à la mort. Bête là, destinée à la perdition, par les moyens pour changer, pour transformer, pour convertir, pour le bâtir, parce que bête ça, elle est allée à la perdition. Système mondial, ça parle ligne à la fin des temps, il va aller à la perdition.
en Adam. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, lorsque la bête apparaît, ils vont étonner. Système n'a pas retourné encore, système n'a pas apparaît encore. En plus, nous allons étonner, ça qu'on va l'étonner parce que pas une bête apparaît. Mais vous qui comptez sur mon Dieu, vous qui croyez dans mon Dieu, vous qui servez mon Dieu, ça m'a étonné plus parce que vous instruit dans la parole de Dieu, vous instruit dans la sagesse, mon Dieu, vous pas étonné pour ça. Ça va étonner parce que l'enseignement par le Dieu est déjà averti. Même dans l'appartenance, ça là, lorsque vous comptez la bête à la fin du temps, vous allez faire pile pour dire, je vais craser, miser, ça va étonner nous. Je dis à la pile, mon corps, qu'est-ce que c'est? Tu comptes là? Non, les enfants de Dieu, vous ne pouvez pas faire pour peur. Parce qu'on est déjà instruit, on est déjà connaît tant ça qu'on le veut, moi, la vie. Mon qui peut étonner, c'est moi qui n'a pas bâti dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est moi qui n'a pas instruit dans la sagesse de Dieu. C'est moi, mon Dieu, pas appelé. C'est moi qui n'a pas été ténèbres. Donc, lorsque le temps arrive, il va aller ça bouleverser. Je dis à la plus le monde qui est déjà bouleversé, l'église malheureusement, qui est déjà bouleversé parce que le temps est arrivé. Il va commencer à prendre l'eau qui est sauté. Ou pas rien pour faire qu'elle saute. Par exemple, je dis, le monde qui pourrait tourner lorsque le bête arrive, lorsque le bête apparaît encore, c'est le monde non pas inscrit dans le livre de la vie, dès la fondation du monde. C'est l'année avant même le monde a été créé. Ou même bon Dieu le lit, ou bon Dieu choisi, ou bon Dieu bâti, ou le bon connaissance par lui, lorsqu'après un temps ça va arriver, ou même c'est béni soit l'éternel pour dire, ou même c'est gloire à Dieu, dites-le tout cette fin est fini, dites-le tout moment arrivé maintenant pour jugement Christ la vie sur la terre, moment arrivé pour voir un bon Dieu établi. C'est pour faire qu'on content ou même, et puis chercher plus confiance dans mon Dieu, chercher plus perfection dans mon Dieu, hein? Chercher plus sainteté dans mon Dieu, c'est ça pour faire les rapports pour faire. C'est pas pour les têtes chargées, on voit ce qu'on fait, mes amis. Est-ce que moi, tous les pays, ça va faire? Non, non. Par contre, Dieu déjà instruit, déjà après que bête là, les plats là, là, par exemple, on va lui donner. Bon, par contre, Dieu déjà tout là, par exemple, comme ça va donner. Un homme averti, un voleur, ou déjà connu la parole, là, mettez femme sous vous, mettez garçon sous vous pour faire servir mon Dieu. Lorsque c'est arrivé, si ça arrive, ou bien le mourir parmi le monde, vous êtes qui peut mourir dans la tribulation, ou à mourir avec l'espoir de la première résurrection. C'est marcher droit devant mon Dieu, c'est chercher perfection dans la vie, ou à commencer par moi-même qui a parlé, vivre sur nous tous, pour chercher discipline de la vie ou davantage. Lorsque tant arrive, si nous devons mourir, si nous percer parmi le monde qui peut mourir, amen à oui. Mais si mon Dieu va décider pour mourir, mon Dieu va cacher quelque part. Hein? La femme s'enfuit dans le désert, il couronne de 12 étoiles sur sa tête. Bon Dieu va plutôt cacher dans le désert, bon Dieu va le fortifier. S'il n'a pas décidé pour mourir. Mais tout le monde qui a mouru, c'est bon Dieu choisi, ça, c'est bon Dieu décider. Bon, si bon Dieu décide pour mourir dans la tribulation, qui ça me fait? Il n'a pas fait rien pour ça. C'est le choix de Dieu. Donc, pas de personne, pas aucun chrétien qui vient pour faire au cassé. Nous sommes clairs dans la Bible là, qui est-ce qui est au cassé là? Qui est-ce qui a un problème? Non. Hein? C'est mon nom, il n'est pas inscrit dans le livre de la vie dès la fondation du monde, lorsque le bête là qui est sauté, ou vous va vous donner, ou vous va vous casser. C'est clair là. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie, c'est ton nom, il a étonné, en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle vous parle. Verset 9. C'est ici l'intelligence. Qui a de la sagesse? Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ça, on va le dire. Hein? On va le dire. Les sept têtes sont, je vais mettre ça avec les sept têtes, c'est sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est la ville de Rome. Géographiquement, on va étudier la ville de Rome. En fait, c'est une ville qui est fondée sur sept collines. Sept collines, sept montagnes. C'est la ville de Rome. Dans notre langage, je peux avoir sept montagnes là, tous ces sept empires, c'est sept royaumes. La ville de Rome, les chitas lui opposées, lui fondée sur sept collines. Là, on parle au pays à sept collines, ville à sept collines ou sept montagnes, nous voulons parler de la Rome, la papauté. C'est lui, sept montagnes. Ce sont sept rois. Cinq sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester
cette tête-là, qui est liée, c'est sept rois. Cinq sont tombés, c'est-à-dire que cinq exercent l'autorité sur la terre, quand on finit, on va passer. Un existe. Un existe, je dis, non, bon, moi, pour Dieu te baille. Ou bien Jésus te baille. Apôtre Jean, vision, Guillaume qui était là, là, un existe. C'est-à-dire, n'attends pas que Jean, c'était l'Empire romain qui était là. Donc, cinq existent. Un, cinq sont tombés. Quels sont ces cinq? Premièrement, l'Égypte. Deux, l'Assyrie. Trois, Babylone. La Babylone, la Babylonie. Quatre, les Mèdes et les Perses. Cinq, la Grèce. Cinq pouvoirs, ça a déjà dominé le monde, déjà dominé la terre, t'es déjà dominé sur Israël. Ils ont tous déjà passé autorité, dirigé le peuple, déjà dominé sur Israël. Diriger le monde, diriger Israël en particulier. Maintenant, dans le moment, Jésus, by Jean, vision, un existe là, c'est la Rome, parce que Jésus fait sur l'Empire romain. Israël était en bas de la colonisation romaine lorsque Christ est fait, lorsque l'apôtre Jean est fait. Dans le moment où Jean t'a vu sur la terre, c'était l'Empire romain qui était là. Bien entendu, c'était la Rome païenne. Il dit, l'autre n'est pas encore venu. C'est la Rome papale. Lorsqu'il sera venu, il aura peu de temps. Il n'est pas dans peu de temps. Il a bon petit temps. Non, ça c'est une tienne tête là. Non, pas le pina, non, mais c'est 11. Et la bête qui était et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi et elle est du nombre des sept et elle va à la perdition. Mais ça, c'est extrêmement important pour nous. C'est le dernier chapitre après pour nous finir. Mais il faut nous tourner sur verset ça parce que c'est extrêmement important pour nous parce qu'on a parlé de huitième tête de la bête. Parlez bien. Qui ça veut dire? Verset 11. Et la bête qui était, bête sacrée là, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi. C'est-à-dire un huitième royaume. Bête sacrée là, qui est cette septième tête là, la bête qui était et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi. Donc, ce n'est pas une intelligence, on doit être un bon découvert. On ne peut pas comprendre rien. On va passer magique à dire qui va y aller. C'est un huitième roi. C'est ce qu'on appelle la huitième tête de la bête. C'est cette tête-là qui te fait comme mortel, la mort, blessée à guérir. C'est lui-même qui devient la huitième tête. C'est ça que dit là. Et elle est du nombre des sept. Et elle va à la perdition. Elle est du nombre des sept. Elle est même septième tête, là qui devient huitième tête. L'intérêt pour à guérir, l'image de sa huitième tête, pour nous, la huitième tête de la bête. Mais huitième tête, la même autorité par là, il va l'exercer à la fin des temps. La papa est montée. Donc, nous apprenons ça déjà. Nous apprenons qu'il est 538. La Rome papale, la Rome païenne finie en 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident. Maintenant, vous n'avez pas contribué à monter officiellement en 538, après Jésus-Christ, avec les premiers papes qui se vigilent. L'un des premiers papes vigiles dans la Rome papale. Maintenant, il n'y a pas de pape, déjà, bien. Donc, l'Église, vous n'avez pas de pouvoir politique, pouvoir militaire, etc., à partir de 538, hein, lorsque vous venez officialiser l'Église catholique. Maintenant, huitième tête, là, les mêmes qui sortent dans le septième, non? Les mêmes bêtes, ça t'est pas comblé, tu m'as la guérilla. Huitième tête, elle même c'est à la fin d'être dans la partie même. Les gars, plus mauvais, plus terrible, plus enragé. Donc, c'est même septième tête là, oui. Comme tête là, il était comblé sur mortel, monsieur a guéri, il part là. Il était là, il part là, elle apparaît encore, elle apparaît à la fin des temps. Là, elle paraît, il même la plus puissance. Quand toute puissance va te gagner, il va gagner, il va même avoir puissance mondiale. Seulement, elle a bien peu de temps pour agir, pour aller à la perdition. Peu de temps pour me laisser. 3 ans et 6 mois, 42 mois, un temps de temps, et la moitié, un temps de temps et la moitié de temps, c'est 1260 jours. C'est clair. Un temps de temps et la moitié de temps, ou 1260 jours. Est-ce que nous clair? Nous comprenons? Verset ça, un gros verset. Et la bête qui était,
et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, c'est-à-dire la huitième tête de la bête, la mienne huit têtes qu'on y a là, ou bien qu'il y a sept têtes, qu'il y a une autre tête qui vient paraître, c'est la huitième tête. Et elle est du nombre des sept, et elle va à la fin du chaussée de la mouille, pour bien tuer à la fin du temps. Verset 12. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu du royaume, mais qui reçoivent l'autorité, comme moi, pendant une heure avec la bête. C'est dit, soit parlé à la fin des temps, il n'y a pas qu'on ait pouvoir, mais il y a pas qu'on ait pouvoir. Bête n'a pas eu pouvoir. Hein? Ils reçoivent l'autorité comme moi pendant une heure avec la bête. Pendant une heure, il y a bien pouvoir. Une heure, c'est sept ans. C'est-à-dire sept ans de la tribulation. La tribulation a duré sept ans, mais la tribulation a duré trois ans. La tribulation de manière générale, nous commençons à ravager la terre. Au moment où l'église montait, tribulation finie, c'est la grande tribulation. C'est là ça, bête à lui-même, Justin peut avoir exercé toute autorité et tout royaume à l'accompagner, exercer tout pouvoir. C'est un débat où un pouvoir politique, où les forces armées, de toutes grosses forces armées qui viennent dans le monde, ils ont tout permis ensemble avec 8e roi, avec 8e tête là, pour dominer le monde, pour craser les enfants de Dieu. L'armée américaine, l'armée canadienne, l'armée française, l'armée polonaise, l'armée russe, toute grosse armée qui existe dans le monde. Il y a tout global au service de la huitième tête de la bête. Monté dit nous, son seul gouvernement mondial qui a gagné, son seul politique, son seul économie, tout le bagage à part mon seul. Mon seul éducation, je dis à l'âme, par contre, vous qui a perdu les nerfs, il y a un pile de jeux qui vient d'apprendre là pour parler de l'éducation mondiale. C'est là que monsieur il a fait des mises en place. En pile de mise en place, comment ça fait là pour huitième tête à la bête. Il va imposer leur seule culture pour tout le monde qui est là. Contrôlé dans le monde, son seule religion. Quelque soit contrôlé dans le monde, son seule éducation pour tout le monde. Quelque soit contrôlé dans le monde, son seule économie. Son seule économie avec capital, les sociales, les supérieurs. Pas mal, ça finit. Seule économie. D'ailleurs, seule monnaie, il va dominer. Il va dire monnaie, il va dire tout le monde. Donc, ce va nécessiter non. C'est pourquoi papa va pas acheter. Papa va pas manger. Tu vois. Mon Dieu décide le conseil. Donc, il va dire 10 fois. Qui va l'accompagner de 10 grandes puissances, il y a même beaucoup de royaume, mais il y a l'autorité, il y a même pendant 7 ans pour le frapper. Verset 13, ils ont un même dessin, c'est-à-dire 10 fois, le même dessin, même vision, même objectif. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Vous savez, 10 fois, ça va puissance, ça autorité à la bête. Puissance, l'argent, le pouvoir militaire, toute grosse force armée, il y a tout au service de la bête. Parce que c'est la seule force armée dans le monde qui va diriger le monde à la fin des temps. C'est pas ça qui va le passer sur la terre. Mais heureusement, mon Dieu, il y a 10 plénards, 7 plénards, il y a un petit feu. Verset 14. Ils combattront contre l'agneau. C'est 10 fois ça, yo. Et l'agneau les vaincra. Alléluia. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le roi des rois. Alléluia. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Alléluia. Mon babon Dieu a bien victoire tout, sous bête là, sous royaume, sous puissance de la terre. Verset 15. Et il me dit, les autres que tu as vus, tu lesquels après ce état civil, ce sont des peuples, des fous, des nations, des langues. Les icônes que tu as vues, et la bête, haïront la prostituée, qui c'est la fausse église, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Par la suite, il y a abandonné les bêtes là par la suite. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la beauté sur tous les points de la terre. Moi, c'est qui n'a pas été assez clair. Donc, la huit certaine de la bête, mes chers amis, n'est autre que la papauté, système papal a quitté concours au Moyen-Âge, en disant quitté concours au 16e siècle, avec coup ça a guéri, blessure mortelle l'a guéri, elle met ça la tournée encore, mais elle tournait, l'a bien peu rétablie, par 7e tête encore, quand elle a devenu 8e tête. Mais c'est toujours même puissance catholique là, c'est toujours même bête là, à la différence, à la fin des temps, c'est tout pouvoir qui a réuni ensemble avec elle. C'est tout ça qui existait dans le monde, tout pouvoir politique, tout pouvoir militaire, mais tout à vos services de la bête. Mais à la fin des temps, il y a beaucoup de abolir l'huitième tête de la bête, parce que la bête elle-même l'a dit, elle est venue à la perdition, on doit écraser, on doit être sûr, on doit être sûr. Mes chers bien-aimés, moi je vais vous dire, c'est un plaisir de vous parler sur les armes.
ensemble avec vous, monsieur, déjà, pour te comprendre, la vie, c'est la tête de la bête. Nous souhaitons qu'elle soit assez claire ensemble avec nous. Donc, la vie là. Donc, si, par hasard, quelqu'un de nous a gagné une institution, nous mais c'est pas bien, la vie là, avec l'espoir pour dire, mais si Dieu veut, la tourner pour notre pensée. Soit nous prenons. Et non pas selon Jean Montigny, donc le ministère de l'Antéchrist à la fin du temps, ou du moins c'est la grande tribulation. Donc, est-ce qu'il y a une question? Pas gagné, c'est-à-dire, tout le monde clair, nous saluons, prenons le Prius, ça fait longtemps que nous attendons, ça fait longtemps qu'on passe avec nous. Vous connaissez l'air qui parle beaucoup, je veux dire, nous commençons un peu tard, c'est ça qui permet qu'il soit capable d'assister nous. Et nous connaissons que activité fait que ou pas capable ensemble avec nous dans l'heure, nous allons commencer. Mais nous allons regarder dans quelle mesure nous sommes capables de passer mes sous l'air et changer l'air pour nous permettre que plus d'amis qui habitent étudier ensemble avec nous. Donc, ça veut dire que tout le monde est correct, tout le monde est clair, tout le monde comprend, tout le monde est édifié, ça fait plaisir jeudi. Et deuxièmement, on fait une exposition pour vous poser une question. C'est ou bien tout le monde comprend ou bien tout le monde ne comprend pas. Même si que le professeur a été présenté enseignement en façon qui permet que tout le monde comprend. Pourquoi ça? Il faut tout le monde en forme, tout le monde comprend. Gloire à Dieu. Ok. Nous allons vérifier là. Par exemple, nous poser une question. Eh bien, nous saluons tout le monde. Nous saluons tout le monde. Qui est ensemble avec nous? Dans les salles, pour qu'ils étudient ensemble avec nous, la huitième tête de la tête. Mais j'espère que bon Dieu dit non, bon Dieu fasse pas l'ombre de fortifier. Bon Dieu, gardez-nous, monsieur et certains, dis-moi si vous voulez, notre premier, pour leur enseignement, pour leur étude de la parole de Dieu. Quel que soit pour côté de chez les États-Unis d'Amérique, quand on voit un peu mon États-Unis d'Amérique, mon Brésil, mon chéri, et un peu branché là. Nous saluons nous, et dans le nom de Jésus-Christ, que bon Dieu bénisse nous, bon Dieu fortifie nous. Donc, c'est la première fois, étude d'affaires par une question, c'est-à-dire, l'un des fins d'étudier, qu'est-ce que Babylone, les trois parties de Babylone, avec qui monte de la terre, avec qui monte de la mer, et vous n'ajoutez là avec enseignement, ça qui clouait toute partie ça, c'est-à-dire, nous vivons enseignement complet dans nous. Merci beaucoup, et donc, à continuer, partager enseignement ça avec l'autre monde. Étudier ensemble avec vous, faire des bains ensemble avec vous, pour plus pour être capable de connaître enseignant, pour ne pas commencer à faire des sautés, en plus de mon tête à bouleverser, parce que vous savez, le gouvernement mondial va venir établir, il va détruire vous, qui a sauté, vous devez pour vous. Vous allez vous courir, seulement ce que vous faites, c'est confier en vous. Que mon Dieu nous bénisse, que mon Dieu nous soigne, que grâce de Dieu, nous sommes avec vous, à dimanche, si vous voulez. C'est avec vous, votre ami, votre frère, votre serviteur, Jean-Baptiste. Voilà.